Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission « Autant le dire ». Tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. L'est grave, Paul Biya a provoqué quelques frissons chez les gestionnaires indélicats lors de son traditionnel discours de fin d'année ce 31 décembre 2022. Pour la 40e fois depuis son accession au pouvoir, le président de la République a fait le bilan de l'année qui s'est achevée et a balisé les perspectives de l'année 2023 à travers plusieurs chantiers routiers et industriels. Mais bien plus que ce discours qualifié déjà entendu ennuyeux et hors sol par l'opposant Cabral Libi, plus que tout, c'est l'avenir du Cameroun qui semble préoccuper les citoyens alors que le capitaine né en 1933 approche les 90 ans. Dans ce contexte de fin de règne, les intrigues de coups font rage et l'hypothèse d'une succession dynastique à la tête de l'État du Cameroun fait son bonhomme de chemin. Quel Cameroun après Paul Biya? Nous poserons la question à notre invité. Et justement, notre invité, c'est le professeur Titus Edzoa. Il est chirurgien, professeur de médecine, mais également homme politique. Il fut secrétaire général de la présidence de la République et ministre de la Santé publique. Fin connaisseur des arcanes du pouvoir, nous en parlerons certainement avec une précision chirurgicale. Merci de regarder, autant le dire, merci de rester fidèle à Naya TV. Professeur Titus Edzoa, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette autre édition. Ça fait quelques temps qu'on ne vous a pas vu sur les plateaux de télévision. Comment allez-vous? Je vais très bien, physiquement et mentalement. Oui. Évidemment, le temps. Qu'est-ce que le temps, monsieur? Il faut être un brin philosophe. Parce que si on comprend, on évalue la notion du temps, cela peut nous aider à élucider quelque peu ce qui nous taraude aujourd'hui dans notre pays. Je voudrais dire par là que certains philosophes pensent que le temps, c'est une interprétation aléatoire du réel. Autrement dit, c'est une... Disons, c'est comme un champ limité, n'est-ce pas, dans une éternité. Mais alors, cette conception, elle doit être intégrée dans le réel, parce que nos consciences sont limitées. Et on a l'impression aujourd'hui que dans notre pays, on a une conception de temps éternel, comme si nos consciences étaient éternelles. Alors, j'aborde ce sujet parce que ça va nous accompagner pendant tous nos échanges pour dire que quand vous avez une notion philosophique du temps par rapport à l'humain, on doit être humble et puis regarder les choses sans qu'on se considère comme éternel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je me porte bien, grâce certainement au temps, mais c'est un temps qui est limité par rapport à ce que nous devons faire aujourd'hui et demain. Au temps, suspend ton vol, suis-je tenté de dire. Alors, est-ce que lorsqu'on parle de certaines personnes comme les maîtres du temps, on entend ça beaucoup de la part des commentateurs politiques qui qualifient certaines personnes de maîtres du temps. Est-ce que cela a du sens? Alors, par rapport à la définition que j'ai donnée, oui, c'est un non-sens. Je m'explique. Oui. D'abord, il ne faut pas s'identifier au temps. Au Cameroun, on pense, ceux qui dirigent ou celui qui dirige le pays, que la pérennité est un triomphe. La pérennité n'est pas un triomphe, parce que il faut voir ce qui inclut dans le temps. Si bien que, lorsqu'on est actif, toute action
à une évolution qui commence, qui atteint son apogée et qui décline. C'est une loi universelle. Donc, croyez-vous, même en politique, elle doit s'appliquer. Oui. Alors, et quand vous, votre appréhension de la notion du temps au regard de votre lecture philosophique du temps, quelle est la place de la mort par rapport au temps? La mort, c'est, disons, un événement de la vie. Oui. Donc, c'est une partie de la vie. On commence et on termine. Si bien que, pour moi, oui, c'est tout simplement un passage d'une vie à une autre qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut considérer entre ce temps de vie, au temps de la mort, c'est-à-dire l'heure de la vie, oui, par la naissance, et l'heure de la mort, c'est un temps qui nous est donné pour accomplir certaines choses. Et sur le plan philosophique, pour ce qui me concerne, je tiens à vous dire tout de suite qu'il vaut mieux appliquer la philosophie qui voudrait que on ajoute la vie aux années et non les années à la vie. Je crois que vous me suivez très très bien. Absolument. Alors, donc, vous êtes un peu dans la logique de quelqu'un comme Jean d'Ormesson qui disait que la vie serait tellement triste s'il n'y avait pas au bout la mort et que seul ce qui a vécu est appelé à mourir. Exactement. La vie est une extinction. La mort est une extinction de la vie. De la vie. Mais qui allume une autre vie. C'est pour cela qu'il faut l'accepter. Peut-être pas avec joie, puisqu'on ne sait pas s'il y a absolument, au-delà. Absolument. Mais lorsqu'on arrive à ce stade, on est obligé de regarder ce qu'on a vécu. Et je vous assure, à mon âge, je suis heureux d'avoir vécu déjà. Et j'attends la mort avec beaucoup de lumière. Ouais. Et beaucoup d'espérance. Alors, c'est un début d'émission plutôt inattendu. Ce n'était pas parti pour être un grand moment de philosophie sur le temps, la vie, la mort, professeur Titus Edzoua. Revenons à ce qui fait le cœur de notre émission, c'est-à-dire la vie au Cameroun, comme elle va. Et l'actualité, c'est le discours de fin d'année du président de la République, le discours, le traditionnel discours du 31 décembre. Est-ce que vous l'avez regardé? Alors, non seulement je l'ai regardé et entendu, oui, mais je l'ai lu. Oui. Alors, question directe, qu'en avez-vous pensé? Alors, quand on entend ce discours, quand on lit ce discours, le premier message que j'entends, c'est que le Cameroun est un paradis. Alors, c'est un paradis, j'ai essayé de comprendre par rapport à ce que nous venons de dire là. Oui. Si la pérennité est un triomphe, la pérennité sera un bonheur. Oui. Donc, quand on a mis autant de temps, on doit être heureux. On ne se préoccupe pas du contenu de ce temps. Oui. C'est pour cela que j'ai dit, en écoutant ce discours, c'est pas l'impression, c'est un message qu'on veut nous donner. Que, mais pourquoi vous plaignez-vous? Le Cameroun est un paradis. Oui. N'eût été quelques soubresauts de la guerre en Ukraine, oui, du Covid, un peu de quelques soubresauts, oui, dans nos régions, mais vous devez être heureux d'être Camerounais. Puisque moi, qui vous parle, tant que président,
Je suis heureux. Je vous dis que le Cameroun est un paradis. Oui. Il faut que vous fassiez tout pour vous convaincre que toutes les épreuves que vous vivez, vous êtes dans l'immensité édénique. Alors, vous voyez, c'est ça qui crée cette déchirure entre le sommet et du vécu quotidien. Oui. Voilà l'impression, la première impression que j'ai eue. Oui. La deuxième impression, oui. Je dirais un peu comme les Romains. Nihil novi sub sole. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Tous les discours qu'on a entendus, je vous assure, le refrain a été le même. Oui. Et nous allons entrer tout à l'heure dans quelques détails. Et vous vous dites, mais il faut une performance extraordinaire pour réussir cette démarche. Mais malheureusement, j'aurais bien voulu que cette maîtrise de la technique de la parole fût le matelas de l'émancipation du Cameroun. Oui. Alors, entrons dans le discours. On ne va pas y passer toute l'émission, je vous rassure, professeur. Alors, il y a quand même un certain nombre de déclarations du président de la République qui ont attiré l'attention, notamment quand le président de la République, il a subodoré qu'il y aurait une augmentation du prix des carburants à la pompe. Est-ce que vous avez cru percevoir ça dans le discours présidentiel comme pas mal d'autres Camerounais? Mais bien sûr. Oui. Vous voyez donc l'antinomie, oui, entre le paradis et ce qui est proposé pour l'avenir proche du Cameroun. C'est-à-dire le paradis qui est fantasmé, oui, en réalité. Oui. C'est ça. Oui. Alors, je ne sais pas si beaucoup de Camerounais savent que nous sommes sous ajustement structurel depuis 2017. Cela veut dire qu'on a des contraintes et que l'économie du Cameroun n'est pas gérée par rapport et par nous-mêmes. Oui. Alors, ce que vous dites là, c'est pas seulement dans les carburants. Déjà, il y a une inflation qui ne dit pas son nom. Tout à fait. J'ai lu et j'ai entendu que le taux de croissance est à 3,8%. Absolument. Par rapport à l'année dernière, 3,6%. 6%. Alors, monsieur, regardez-moi bien. C'est avec ce taux de croissance qu'on peut jubiler. Je ne suis pas économiste. Mais écoutez, alors que certains pays africains, qui ne sont pas plus que nous, à tous égards, visent le taux de croissance à deux chiffres. À deux chiffres. Oui. Alors, comment pouvez-vous être le paradis et accepter de nager sans espoir dans la médiocrité? C'est là où le bât blesse. Alors, quand le président de la République dit que l'État du Cameroun, au courant de l'année 2022, a dépensé pratiquement 700 milliards de francs CFA pour la subvention des carburants et 70 milliards pour la subvention du gaz, et qu'il est évident que les finances publiques ne pourront pas indéfiniment continuer à soutenir la stabilité des prix des hydrocarbures, est-ce que ce n'est pas un argument qui tient la route? Je peux dire que c'est une fuite en avant. Le problème n'est pas là. Oui, il est où le problème? Il faut restructurer l'économie du Cameroun, recréer l'environnement. Voyez-vous, ça ne se fait pas tout seul. Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, on refuse de croire qu'on est en guerre civile depuis 5 ans. Qui va venir investir? Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre,
N'est-ce pas? On vous dit que c'est le Covid qui a entaché, qui a retardé les choses. Vous savez bien qu'il y a un gros scandale sur le Covid. Oui. On n'en parle pas. Oui. Alors, ce genre de choses, on veut faire fi de ça et faire croire que tout va bien. C'est ça qui... C'est pas seulement embarrassant. Mais le président de la République appelle ça des chocs exogènes qui ne dépendaient pas de nous. Personne n'a appelé la Covid, personne n'a souhaité la guerre en Ukraine. Donc, ce sont des événements indépendants de la volonté des dirigeants qui ont quand même eu un impact sur la croissance économique, non? On n'en disconvient pas. Oui. Mais si le monde est global, mais tout le monde est subi. Vous n'allez pas me dire que tous les pays sont, n'est-ce pas, en déconfiture, comme le Cameroun. Je le dis bien, en déconfiture, en déliquescence, sur le plan économique. Bon. Maintenant, par rapport à ce qui nous a été dit, oui. Ça veut dire préparez-vous. Le Camerounais doit savoir que 2023 sera dur, sera pénible. Avez-vous fait le bilan de 2022? D'où venez-vous? 2021? 2020? 2019? Alors, je veux bien qu'on soit préoccupé de ce qui se passe à l'étranger. Soit. D'ailleurs, vous avez vu le départ du discours du président de la République, commencé par la guerre de l'Ukraine. Tout à fait. Mais monsieur, vous avez une guerre chez vous. Vous pensez qu'une guerre civile au Cameroun n'est rien par rapport à la guerre qui se passe en Ukraine? Non. Il faut qu'on revienne sur la réalité qui nous concerne. Oui. On peut atténuer les chocs exogènes si à l'intérieur, notre matelas est plutôt souple. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, c'est une fuite en avant, je répète. Et avant de penser résoudre les problèmes à l'extérieur, commençons par résoudre nos propres problèmes. Et vous les avez cités. Oui. On a commencé par l'économie. Maintenant, la guerre, par exemple. Vous parlez de la guerre. La guerre au nord-ouest et au sud-ouest de notre pays. Oui. On en reviendra. Oui, on en reviendra. Mais ce que je vais dire, c'est que ce qui a beaucoup frappé les Camerounais, vous l'avez relevé, c'est de reparler de la corruption. Oui. Alors, justement, on va parler de la question de la corruption tout à l'heure qui fait partie d'un aspect. Évacuons d'abord les questions économiques et de développement. Il y a eu quand même des annonces fortes dans le discours du président lorsqu'il parle, par exemple, de l'accélération de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Il a parlé également du lancement d'un certain nombre de projets miniers qui vont permettre l'exploitation du fer de Mbalam notamment. Un certain nombre de chantiers qui peuvent faire penser que l'économie du Cameroun en sortira gagnante. Vous voyez un peu mon sourire. Oui. Mais c'est un sourire sardonique. Et mon cœur bat la chamade. Pourquoi? Au lieu de s'arrêter. Mais vous parlez de quoi? Une autoroute en 60 ans? Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire une autoroute? Le Cameroun ne sera pas le premier pays à faire une autoroute, encore moins le dernier. Mais on nous chante de l'autoroute Yaoundé-Douala. Mais quand cette autoroute-là, si jamais elle est réalisée sous ce système,
mais ce sera déjà dépassé. Alors, je vais vous dire une chose. Oui. Quand on parle de l'économie, on parle de l'infrastructure. Oui. Le Cameroun a besoin d'infrastructure parce qu'il a un niveau primaire. Pour lancer l'économie du Cameroun, il faudrait faire un réseau comme une toile d'araignée. Yaoundé, la capitale, devrait être rattaché à chaque chef-lieu de région par une autoroute. C'est ça la perspective. Cela demande du temps et des moyens. Hein. 60 ans, c'est peu. Si les 60 ans qui viennent, vous réalisez cela, mais c'est beaucoup. Mais ce qui gêne au Cameroun, on pense que quand vous commencez une réalisation en tant que responsable, vous devez voir la fin. C'est d'ailleurs ce qui peut justifier quelque part cette pérennité. On parlait du temps. Oui, vous voyez, ça revient. Quand vous commencez, vous avez une initiative qui concerne un État comme le Cameroun. Ceux qui sont responsables doivent l'initier. Le moment venu, une fois évacué d'une façon ou d'une autre, les autres doivent recontinuer parce qu'il y a une continuité de l'État. Mmh. C'est comme ça que les pays se construisent. La construction d'un pays ne se fait pas nommément par des individus. C'est pour cela qu'il faut être humble. Vous faites ce que vous pouvez. Le moment venu, vous vous mettez à l'écart. Les autres continuent. Oui. Donc, c'est pour cela que j'ai dit. Je souris amèrement parce que il faut même pas parler de choses comme ça à la nation. L'autoroute. Mais c'est comme si... C'est comme si on était des extraterrestres qui doivent se voler de ville en ville, de village en village. Écoutez, qu'on arrête ce genre de... Je dirais de baliverne. Mm. Sur la question de la décentralisation, le président de la République, je vous inviterai à y réagir, dit « le processus de décentralisation avance de manière méthodique ». Êtes-vous d'accord avec lui? Pas du tout. Oui. Je vais rappeler aussi, là c'est très très important. On ne devrait pas parler de la décentralisation en la balayant des revers de la main de ce genre. Mm. Parce que si on avait appliqué la décentralisation prévue par la Constitution de 1996, Constitution qui est comme le miroir de l'histoire du Cameroun, vous n'auriez jamais eu la guerre civile au nord-ouest et au sud-ouest. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, l'histoire du Cameroun, bon, on n'aura peut-être pas tout le temps, mais les jeunes ne la connaissent pas très bien. Il faut qu'ils sachent que le Cameroun, un, a été divisé en trois parties. Ce Cameroun, c'était avec K parce qu'il s'agissait absolument des Allemands. Absolument. On a politisé ça, mais c'est une réalité. 4/5 du Cameroun, par partage de l'Occident, est revenu à la France. Société des Nations confirmée par l'ONU. Et 1/5 du Cameroun est revenu à la partie anglophone. Anglophone. Dont une partie, la Northern Cameroun, elle est avec le Nigeria. Et la Southern est restée comme un État souverain. Ces deux États, Cameroun francophone et Southern Cameroun, se sont unifiés en un État fédéral. Donc, c'est ce qu'on appelle une fédération par agrégation. Cette agrégation a subi une désagrégation parce que
ceux qui gouvernaient le pays ont vu que il fallait en faire un État uni. Unitaire, oui. C'est pour cela qu'il y a eu la République unie du Cameroun. Du Cameroun. Maintenant, ce nom République unie du Cameroun, je dis bien unie, c'est très important. Cette histoire a été ignorée par le nouveau système, par une loi, tout simplement, au départ, la loi de février 1984. Et la République unie est devenue République du Cameroun. Du Cameroun. J'insiste toujours sur ce point, parce que en enlevant ce mot uni, qui n'est pas, oui, uni, qui n'est pas seulement un caractère sémantique, ce mot uni est comme le miroir de l'unité, de l'essence même de la naissance du Cameroun. Alors, une fois ceci acquis, relisez-vous, monsieur, ou faites relire la constitution du Cameroun. Le Cameroun est une république unitaire décentralisée. Oui. Oui. La république, une république peut durer 40 ans? Je ne pense pas. L'unitaire, on n'est plus unis. On est en pleine guerre civile. On fait semblant que tout se passe bien. Et la décentralisation, alors je vous dirais, en une terminologie un peu chirurgicale, c'est-à-dire rude, c'est du pipeau. Pourquoi? La décentralisation, comme elle est prévue dans la Constitution, oui, exige une dévolution des pouvoirs dans les collectivités territoriales décentralisées. Eh bien, monsieur, s'il y a un conseil régional avec son président, quel pouvoir peut-il avoir si il y a un gouverneur de la région, nommé par décret présidentiel, il y a un préfet, il y a des sous-préfets, des chefs de district. Oui. N'oubliez pas, il y a un secrétaire général de région qui a rang de préfet nommé par le président de la République. Si à cela vous ajoutez qu'au niveau du Premier ministère, il y a un conseil, c'est-à-dire une institution, oui, qui contrôle les collectivités. Oui, le Conseil national de la décentralisation. Exactement. Oui. Si à cela vous ajoutez au niveau du ministre de l'administration territoriale, oui, le comité interministériel des services locaux, à cela ajouter qu'il y a un ministre de la décentralisation. Oui. Monsieur, je dis, on tourne en rond. Ça veut dire que pour vous, le processus de décentralisation aujourd'hui est dans une espèce de camisole de force vampirisé un peu par l'État central, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ça n'a même pas encore, on n'a pas encore initié, oui, la décentralisation. Mais si à cela, monsieur, oui, tenez ce que je vais vous dire, c'est très important. Si vous devez autonomiser une structure, il faut qu'elle ait une autonomie financière. Allez regarder quel est le package que prévoit le budget de l'État pour chaque conseil régional. Évidemment, comme on politise tout, vous parlez déjà des élections sénatoriales qui auront lieu en 2023. Oui. Alors, je dis ceci. République unitaire décentralisée, il faut tout reprendre à zéro. Et certainement, on en reparlera quand on vous allez me poser pour la perspective de l'avenir du Cameroun. Oui, oui. Alors, le président de la République a suscité quand même quelques moments de frayeur lorsque les gens ont écouté son discours
sur la question des détournements de fonds publics. Et là, on peut dire qu'il est resté constant, parce qu'il dit « Tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. » Gestionnaire des fonds publics, Tremblay. Monsieur, je reste froid à cette annonce. Oui. Pourquoi? On n'a pas besoin d'annoncer qu'on va appliquer la loi. La loi, elle est là. Et ceux qui doivent l'appliquer, doivent l'appliquer. Oui. Le président de la République, si je me réfère à la Constitution, n'est que le garant. C'est pas loi, c'est pas lui qui doit dire la justice. Donc, voyez-vous, c'est une annonce pour moi qui n'en est pas une. Parce que oui. S'il y a des détourneurs de fonds, mais la loi a tous les moyens pour les détecter, les punir, éventuellement, s'ils sont coupables. Oui. Et tout le monde va constater. Mais il y a quel problème à ce que le président de la République donne le « là » ? Mais ce « là », c'est un orchestre, une symphonie qu'on attend depuis longtemps. Oui. Donc, on n'a pas besoin de cette musique. C'est pour cela que je vous dis, il suffit d'être tout simplement froid et respectueux vis-à-vis de nos lois et des règlements de l'État. Le problème de détournement de fonds même, c'est un problème mineur par rapport à ce qui doit nous préoccuper. Parce que tout est prévu. On a même créé des institutions parallèles pour tout ça. Oui, ça de lutte contre la corruption. Pourquoi ça continue? Oui. Ça continue tout simplement parce que, à côté de ces déclarations, il y a un laxisme qui est un laxisme désolant, horrifiant. Puisque détournement d'enfants, ce n'est pas la corruption, mais vous savez que dans notre pays aujourd'hui, la corruption, c'est comme un isthme, un pont qui fait l'unité du pays. Et alors, dans la misère, dans la destruction, puisque je le dénonçais il n'y a pas longtemps, cet affadissement horrible des institutions républicaines. Quand je parle de la justice, n'oubliez pas que la justice, avant 1996, n'était qu'une autorité. Elle est devenue un pouvoir. Oui. Qui devait le comprendre avant? C'est les magistrats. Je sais de quoi je parle. Oui. Donc, qu'ils saisissent la balle au vent, parce qu'un juge n'est redevable qu'à deux choses, à la loi et à sa conscience. À sa conscience. Le président de la République n'a rien à y voir. Oui. C'est comme si vous me demandiez aujourd'hui, je suis chirurgien, pour vous opérer pour une maladie donnée, je dois demander, je dois avertir le quartier Mokolo, la briqueterie que vous voyez, vous, monsieur Tagné, il est très important, je vais l'opérer. Non, monsieur, c'est la même chose. Alors, vous avez dit dans votre livre « Cameroun, combat pour mon pays », vous avez analysé le phénomène de la corruption et pour vous, c'est quelque chose de systémique et même de pensée. Qui n'est pas un phénomène ex nihilo, qui a été pensé et mis en place d'ailleurs. Et je voudrais vous lire un extrait, c'est pas pour vous, surtout c'est pour les téléspectateurs que je lis et vous commenterez ensuite, professeur Titus Edouard. Alors je vous cite page 78 de votre ouvrage. Aujourd'hui au Cameroun, à la suite d'une manipulation perverse et permanente des consciences, la corruption est non seulement tolérée, mais admise comme une règle de la vie quotidienne, une sorte de passage obligé, presque une normalité. Enveloppée qu'elle est dans un laxisme complice de la part des autorités politiques au plus haut niveau,
elle est perçue comme l'instrument de prédilection, l'outil incontournable pour une montée assurée sans heurts dans l'échelle sociale. Concrètement, pour obtenir un poste, il faut corrompre. Pour réussir à un examen ou à un concours, il faut corrompre. Pour bénéficier d'une promotion, il faut corrompre. Et vous poursuivez, vous dites, cette réalité est un procédé cynique que l'on fait miroiter sans cesse à une jeunesse désemparée par la misère et l'absence de perspective. Corrompre ou être corrompu n'est, dans les faits, pas répréhensible au Cameroun, malgré l'annonce récurrente de mesures dites anti-corruption. C'est quand même assez fort, hein? C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les mesures anti-corruption qui ont été prises jusqu'à présent, vous les trouvez absolument dérisoires. Qu'est-ce qu'il faut alors faire? On est d'accord qu'il y a la corruption, qu'il y a les détournements de fonds publics dans ce pays. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Alors, je ne sais pas si ce système peut encore le faire. Parce que ce serait se renier. Je pense qu'il faut revoir les fondamentaux de certains principes qui sont des principes universels. Je voudrais me référer à ce que je peux appeler la vertu sociale. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, il faut des principes qui soient pas individuels, mais qui engendrent dans les sens le bien, le beau, le vrai, le juste. Oui. Et c'est ça que j'appelle les fondamentaux d'une société qui voudrait que l'individu soit éduqué à se les intégrer pour devenir un citoyen. Absolument. Donc, ces vertus, l'autre mot c'est les valeurs. Ces valeurs doivent être communes. Lorsque vous appliquez, vous, à vous-même, cette valeur, vous donnez ipso facto à l'autre ce qu'il y a de positif, sans jamais perdre, vous, ce que vous êtes de positif. Il faut enseigner ça, il faut éduquer. Oui. Allez-y, professeur. Alors, ça a l'air compliqué. C'est parce que ça ne vient pas du haut. Cette éducation vient du bas. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ceux-là même qui ont érigé, disons, les non-valeurs en valeurs, veulent faire croire que ils peuvent être, eux, les éducateurs des valeurs. C'est pour cela que ça ne marche pas. C'est-à-dire, on a beau faire des discours, ça ne passe plus. Il faut appliquer ce qui doit être appliqué. Parce que si vous appliquez la loi est aussi une éducation. Quelqu'un qui a volé et a été puni, en même temps, cet acte enseigne à l'autre que je ne dois pas voler, pas parce que je suis un saint. Non. Mais parce que. Parce que la loi l'interdit et punit. Oui, monsieur. Vous voyez, il faut changer de registre. C'est pour cela qu'on tourne en rond, monsieur. Oui. Alors, vous ne dites pas pourtant autre chose que le président de la République qui, dans son discours, dit chacun, à son niveau, doit d'abord intégrer. Justement, je le dis un peu plus mais monsieur, oui. Ça ne suffit pas. Oui. Ça ne suffit pas. Il faut bannir le laxisme.
C'est très important ce que je vous dis là. Donc la sanction doit être immédiate, exemplaire. Immédiate, oui. Systématique. Systématique. Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez au Cameroun des gens qui détournent. Oui. Mais pensez-vous, les yeux ne sont braqués que ceux qui sont en politique. Oui. Mais multipliez le nombre de Camerounais qui ne sont pas en vue. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Mais bien sûr, parce que quand il y a le laxisme, oui. Mais on va pêcher dans le trouble. Puisque je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est un marécage qui éteint tout ce qu'on peut, tout ce qui peut briller. Donc, personne ne veut plus briller parce qu'il se dit, je suis dans le marécage. Personne ne veut plus briller parce qu'il se dit, si je détourne, il ne va rien m'arriver puisqu'il n'est rien arrivé à l'autre. Donc, c'est cette addition, voire multiplication de la médiocrité, de l'ignorance, de l'anéantissement des valeurs qui fait que le Cameroun se trouve à ce niveau. Mais alors, c'est de la faute de qui? Vous répondez? De ceux qui sont au top de la nation. C'est là où je dis toujours, avoir une fonction publique, c'est d'abord servir. Et quand on sert, on doit avaler des couleuvres. Ça se paye plus tard. Par une aisance intérieure, vous avez servi, vous êtes content. Pourquoi les gens ne veulent pas aller en retraite aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas servi. Ils se disent que je vais continuer à travailler, entre guillemets. Oui. Et donc, travailler, c'est être dans un champ de prébende. Donc, il faut revoir. C'est pas facile. Oui. Il faut revoir tout ça. Mais là où je suis pas d'accord avec ce qui se passe, c'est qu'en même temps qu'on revoit cela, on doit sévir. Car le laxisme, c'est un cancer d'une nation qui la détruit à petit feu comme une bougie. Donc pour vous, c'est tolérance zéro. Il faut commencer par là. Exact. Alors dans votre propos et même dans vos travaux, dans votre livre « Combat pour mon pays », vous placez, vous l'avez encore dit tout à l'heure, la justice au centre de l'affaire, du processus de lutte contre la corruption. Vous n'êtes pas magistrat, mais vous connaissez mieux que personne les problèmes de la justice camerounaise. Vous les avez décrits hein, dans vos deux ouvrages, que ce soit le premier ou le second. Alors aujourd'hui, c'est quoi le problème de la justice camerounaise aujourd'hui et qui est critiqué de part en part, alors que la justice a été érigée en véritable pouvoir, mais semble avoir du mal à s'affirmer de manière réelle comme étant un véritable pouvoir. Vous avez pratiqué la justice camerounaise, c'est quoi le problème? Alors, le premier constat que je peux faire, oui, c'est qu'on doit revenir aux normes. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Aujourd'hui, on pratique la justice de la force. Mais il faudrait le contraire, qu'on pratique la force et même la puissance de la justice. Tout simplement en respectant les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, si je m'étais battu, je me bats pour être président. Mmh. Ça doit rentrer dans un projet de société. C'est pas... Sur le plan structurel, oui, vous avez tout ça. Le président de la République, il est, n'est-ce pas, le responsable
du pouvoir... Du Conseil supérieur de la magistrature. Déjà même du pouvoir administratif. Oui, exécutif. Exécutif. Exécutif, oui. Mais dans le pouvoir judiciaire, c'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. C'est lui qui nomme... Et révoque. Et révoque tous les magistrats. Oui. De la Cour suprême au dernier. Donc, en ce moment, c'est le président qui devrait, puisqu'il est, il est le chef de tout ce, toute cette hiérarchie. Mais si jamais les choses devaient changer, le président devrait retirer son pouvoir pour laisser le pouvoir judiciaire prendre en main son propre destin. Oui. Il ne serait là que pour être le garant de l'application de ce qui est prévu. C'est d'ailleurs pour cela que dans la nouvelle constitution de 96, on a mis le Conseil constitutionnel. Oui. Les gens, on ne lit pas ça, mais c'était pour ça. Oui. Donc, on a tout ce qu'il faut, mais il faut tout simplement l'appliquer. On a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, mais parce que c'est important, oui. La décentralisation. Mais on a tout ce qu'il faut. Puisqu'il est même prévu, si vous relisez la Constitution, de l'article 55 à l'article 62, il est même prévu que certaines régions peuvent avoir la latitude d'intégrer leurs spécificités dans la région, qu'elles soient culturelles, politiques ou sociales. Donc, on a tout ce qu'il faut. Mais ce qui bloque le Cameroun aujourd'hui, c'est ce refus, n'est-ce pas, de voir les choses changer. Oui. On parlait de condamnation des personnalités. La dernière personnalité en date qui a été condamnée par la justice camerounaise pour détournement de fonds publics, c'est Amadou Vamulke. Le 20 décembre dernier, il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement ferme après 6 années de procédure. D'abord, sur le timing de la condamnation, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que chez les uns, cela dure indéfiniment, la procédure. Et chez d'autres personnes, ce fut votre cas par exemple, il y a comme quelque chose d'expéditif. Là aussi, ce sont des problèmes, non? Oui, bon, vous faites bien de rappeler cela. Sur le plan purement personnel, j'ai battu tous les records. J'ai battu le record de la condamnation expéditive, parce que j'ai été condamné la première fois en une seule séance judiciaire, sans débat, et la nuit. Oui. C'est-à-dire qu'on vous a jugé condamné en 24 heures. Oui. Oui. Je crois que... C'est assez rapide quand même, hein. Une célérité plutôt impressionnante. Oui, c'est un record que je détiendrai pendant peut-être très longtemps. Je détiens aussi le record de la longévité. Oui. Le Cameroun a connu, en mon temps, par mois, j'ai été mis en accusation. La première accusation, on l'a jugé 16 ans et demi après. Ce que les gens ne savent pas. Ah oui, quand même. Hein? Oui. Donc, la deuxième inculpation, c'est elle qui a été d'abord jugée, avec 15 ans. Oui. Confiscation de tous les biens. Oui. La deuxième, elle a été jugée 16 ans et demi après. Alors, je voudrais vous dire une chose. On ne peut pas dire que c'est une bonne administration de la justice, ça. Hein? Il y a une chose qui dénote l'ahurissement de cette justice. Elle est une seule.
l'inculpation, vos condamnations. Relisez tous ceux qui ont été condamnés. Vous allez voir que il y a l'inculpation, il y a des dizaines de séances de renvoi et tout ça. Oui. Mais quand on le condamne... 130 renvois en ce qui concerne Vamulke. Oh, moi j'en ai eu plus. Oui. C'est pas... Je m'en félicite pas. Non. Du tout. Vous allez voir que les chefs d'accusation pour lesquels il est condamné sont les mêmes sur l'inculpation. Donc ça n'a servi à rien, le débat, oui. Soi-disant débat. L'instruction et tout. Oui. Alors, je dis... Pour M. Vamulke, comme je l'ai dit l'année dernière, ce qui est au-delà de la loi, il n'y a qu'une seule chose, c'est la vérité. Quand vous avez avec vous la vérité, eh bien, malgré tout ce qui tourne autour, oui. Faites tout pour garder votre sérénité et surtout votre dignité. Parce que son cas, comme d'autres cas, oui. resteront dans l'histoire qui vont signifier qu'il y a des Camerounais qui ont donné leur vie pour les autres. Pas pour rien. Mais ceux qui ont fait cela, eh bien, je n'aimerais pas être à leur place. Parce que ils sont la figure de l'obscurité. Et cette obscurité ne peut disparaître que s'il y a des gens de lumière qui donne la vie pour les autres. Dernière chose en ce qui concerne la justice, dans les procès dits de l'opération Hyperbie, on a également observé un phénomène qui, semble-t-il, a été inauguré avec vous, c'est cette façon de saucissonner un peu les procédures. Par exemple, dans le cas de Amadou Vamulke, j'en parle parce que c'est la dernière condamnation récente, il y a encore une autre procédure, il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement ferme, mais il est possible qu'il revienne encore devant ses juges pour une autre procédure en détournement de fonds publics. Comment peut-on comprendre cela? Alors, moi, je voulais tout simplement oui. lancer un message. J'ai dit, messieurs, oui. comment pouvez-vous penser que la torture est normative? Comment pouvez-vous penser que même pour réparer un délit ou un crime, vous devez torturer? Quelque part, j'ai dit dans un de mes bouquins, oui. les animaux ne torturent pas, même quand ils agressent. Ils tuent pour une raison bien précise, prévue par la nature. Oui. Mais l'homme, il est heureux de torturer son voisin. Sont semblables. Mais comment voulez-vous qu'une société vive dans la paix quand il y a des actes de torture qui ont été prémédités? C'est là où je profite de ma santé. Oui. De remercier Dieu. Pour pouvoir défendre la vérité. Aujourd'hui, on est au début de l'année 2023. Oui. Comment des Camerounais peuvent-ils être heureux de martyriser leurs frères? Ce n'est pas une grâce. Si vous avez détourné, pourquoi on ne vous juge pas en même temps? Pourquoi?
Le droit prévoit la torture. Alors, vous pensez avoir raison, mais vous passez de l'autre côté. Et vous savez, l'histoire ne fait pas de cadeaux. C'est, on le verra, peut-être pas nous, par ceux dont on a parlé au début de l'émission, le temps. Je vous propose, Titus Edzoua, de prendre une petite pause de quelques secondes et nous revenons pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité, le professeur Titus Edzoua. Il est chirurgien, professeur de médecine, il est également homme politique. Il fut secrétaire général de la présidence de la République, puis ministre de la Santé publique au Cameroun. Et depuis quelque temps, nous analysons le discours de fin d'année du président de la République et la situation sociale et politique du Cameroun. Alors, Titus Edzoua, le président de la République était aux États-Unis. Il est revenu la veille de son discours de fin d'année. Il a pris part au sommet États-Unis-Afrique. Et dans son discours, il a remercié les États-Unis d'Amérique pour leurs actions décisives en vue de la mise hors d'état de nuire d'un certain nombre de Camerounais qui s'étaient rendus complices des sécessionnistes anglophones dans le financement de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, on a l'impression que on assiste à une espèce de reddition de la part des chefs de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Que faut-il conclure? Que la guerre est terminée? Alors, là aussi, on a le couple soufflé, le souffle coupé. Oui. Comment pouvez-vous imaginer que c'est à l'extérieur que les problèmes aussi cruciaux qui concernent notre pays peuvent être résolus? Je salue le geste, l'acte de nos amis américains. Oui. Et d'autres qui font. Oui, le président a appelé les autres États. Aussi, qui font, mais qu'on ne sait pas. Ces choses se font d'une façon discrète. Oui. Mais la solution du problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doit trouver sa solution. Le problème doit trouver sa solution ici même. Par les Camerounais eux-mêmes. Et présider. Je crois que vous avez bonne mémoire, je vous l'avais dit il y a quelques années, par le président de la République lui-même. Alors, il y a eu un forum qui était bienvenu, mais qui a été vide. Le grand dialogue national. Oui, monsieur. Le grand dialogue national. Oui. Appelé par le chef de l'État. Oui. On a d'abord noté que le chef de l'État lui-même n'était pas là. C'est plus facile d'aller à New York, Washington, que d'être à Yaoundé. Oui, le grand dialogue national, oui, c'est passé à Yaoundé. Présidé par le Premier ministre. Oui. Alors je dis, ce genre de responsabilité ne peut pas se faire par procuration. C'est là où le président de la République, non seulement doit le voir, mais sentir que
Il aime son peuple. Il est le garant de la paix entre les citoyens. C'est là qu'il doit être présent. Je l'ai dit et je le redis avec beaucoup de respect. Mais c'est regrettable, première chose. Oui. De deux, dans ce genre de choses, il faut faire très attention à toutes ces manipulations. Parce que j'ai entendu des propos disant que la guerre est finie et tout, et tout, et tout, mais c'est plus compliqué que cela. On assiste quand même à une accalmie, hein. Oui, mais attention. Les tueries d'il y a 2 ans ont quand même baissé, sans minimiser la gravité de ce qui se passe. Alors, vous avez dit le mot. Oui. Chaque fois qu'un seul Camerounais tombe, c'est la mort de notre pays. Chaque fois, qu'il soit du nord-ouest ou du sud-ouest, qu'il soit de l'armée, qu'il soit un civil, ceci doit nous interpeller pour faire cesser cette guerre sans délai. Or, qu'est-ce qui se passe? Accalmie, oui. Vous, les médias, ce n'est plus à l'actualité. Le Covid vous a préoccupé pour autre chose. Avant, c'était le sida, puis le Covid est venu. Mais ça, c'est une affaire qui doit préoccuper à chaque instant nos instances supérieures. Parce que les conséquences sont déjà même dramatiques. Oui. Sur tous les plans. Oui, plusieurs milliers de morts, pratiquement le million de déplacés. Oui. Or, qu'est-ce qu'on fait? On distribue les matelas, les brouettes et tout ça. J'appelle ça de l'humanitaire. Et quand il y a ce genre d'humanitaire, à défaut de les laisser mourir, on croit les faire vivre en leur donnant des bonbons. Vous voyez, c'est dramatique cela, et c'est même cynique. Alors pour vous, il faut craindre que cette accalmie ne soit qu'une façade et qu'on n'assiste plus tard à une résurgence de la crise. C'est ce que vous craignez, que le pouvoir se satisfasse de cette accalmie qu'on observe aujourd'hui. Je vais vous donner une image. Oui. Une image médicale, en l'occurrence. Oui. Si vous avez une plaie au tibia, vous prenez de l'huile de l'onguent, vous couvrez la plaie, n'est-ce pas? Il y aura moins d'odeur, il y aura moins de mouches. Oui. Mais la putréfaction continue en dessous. C'est ça qui est en train de se passer dans notre pays, au nord-ouest et au sud-ouest. Ouais. Alors, j'en parle encore avec beaucoup d'emphase. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que ce n'est pas ceux qui font du mal à notre pays qui détruiront notre pays. C'est ceux qui regardent sans rien faire. La deuxième observation à cela, dites-vous bien que, mais qu'est-ce qu'on peut réaliser au Cameroun tant que le Cameroun est divisé? C'est la priorité des priorités. Donc aujourd'hui, nous parlons de tout et de rien. Moi, ce qui m'aurait préoccupé le plus, qui me préoccupe, c'est cette guerre, cette division. Parce que ça met le Cameroun en interrogation. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Si le Cameroun parle d'unité, à tous égards,
nous vivons la désillusion permanente. Et vous avez remarqué, avec cette crise de la guerre, de l'économie, malgré ce qu'ils disent, le Camerounais moyen, il est violent. Vous êtes un journaliste, je suis un médecin. Regardez le faciès des gens dans la rue. Mais jeune comme moins jeune, femme comme homme, c'est la violence qui domine notre société. Comment vous expliquez ça? C'est justement parce que vous avez pris votre paradis comme un Éden que tout le monde partage, alors que c'est le contraire. Et c'est là où on se demande comment peut-on ne pas réaliser que le Cameroun n'est plus un havre de paix. Nous sommes comme dans un marécage où on se contente d'avoir sa robe, son habit, moins sale que celui de l'autre. Oui. Alors que on devrait être préoccupé pour que ce que vous êtes soit mieux que ce que l'autre peut être. Et c'est cette union de ce que vous êtes qui fait qu'une société s'émancipe. Alors, vous me direz que oui, ça, c'est des principes philosophiques. Oui. Mais, monsieur, que voulez-vous bâtir sans principe? Pour agir, il faut d'abord penser. Et ceux qui dirigent un pays, ils doivent être aussi forts en pensée qu'en action. Qu'en action. Le président de la République, disais-je, était aux États-Unis pour le sommet États-Unis-Afrique. Il y a de nombreuses images, des vidéos de lui qui sont devenues virales dans les réseaux sociaux et qui ont amené certains à questionner l'opportunité de son déplacement aux États-Unis. Est-ce que vous aussi, vous avez questionné l'opportunité et qu'avez-vous pensé de tout cela? J'ai connu le président frais. Mais on a parlé du temps. Oui. Faut donner le temps au temps et être humble pour reconnaître que il y a un début, il y a une fin. Évidemment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Mais à cet âge où le président, je pense que c'est assez normal qu'il puisse avoir une absence, ou être plus fatigué. Mais ce qu'on peut et on doit rectifier, c'est qu'il ne peut plus assumer certaines fonctions. Et s'il ne peut plus assumer certaines fonctions, c'est pas une honte de penser lui-même qu'il peut prendre un peu de repos. Parce que, comme nous disions tout à l'heure, il ne doit pas penser que il vit parce qu'il est président. Je pense qu'il devrait plutôt vivre parce qu'il est un homme. Parce que ne plus être président, ça ne doit pas être considéré comme une défaite. Et je me répète avec délectation. Tous ces services publics, l'individu n'est là que pour servir. Et il doit servir avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède. Mais dans un temps limité. Pourquoi? Parce qu'il faut des forces cyclopéennes. Je vois tout le monde veut être président, je veux être président. Mais si je suis président, je ne peux pas être président plus de 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas possible. Ouais.
Parce que c'est une fonction qui demande une énergie extraordinaire. Vous ne pouvez pas être ministre 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas possible si vous travaillez. Vous serez dépassé. Je sais de quoi je parle. Mais vous pouvez être journaliste, même être journaliste. Il y a des phases de votre activité. Absolument. Il faut se renouveler sans cesse. Sans cesse. Et à un moment donné, vous n'aurez même plus envie oui. de faire des interviews comme nous sommes en train de faire. Oui. Vous allez conseiller aux jeunes comment il faut faire une interview. Mais ça, c'est le triomphe de la profession. Alors là, vous entrez de plein pied dans la question de l'alternance. Le président de la République a entamé, on parlait du temps tout à l'heure, le temps a fait son effet, il entame sa 40e année à la tête du Cameroun, il a 89 ans. La question de l'alternance est dans tous les esprits, y compris dans son propre camp, sauf que les gens rêvent en silence. Cela peut sembler dangereux, n'y voyez aucune malice, professeur, vous en savez quelque chose, cela peut être dangereux, pardonnez-moi. Alors, la question de l'alternance aujourd'hui, vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que vous trouvez gênant que cela ne fasse pas partie des préoccupations du camp présidentiel aujourd'hui, du moins à haute voix? C'est-à-dire que c'est presque un sujet tabou. Alors, le discours ambiant consiste à dire que le président, il est en très, très grande forme. Il y en a un qui a dit qu'on ne parle pas de la succession du chef quand il est encore vivant. Oui. Alors, je ne veux même pas vous surprendre. Oui. Puisque si vous avez suivi mon parcours, ce que je vais vous dire est tout à fait conforme. Oui. On doit penser à l'alternance le jour où on accède à la fonction. Quelle qu'elle soit. C'est des fonctions. L'erreur fatale qu'on pourrait faire, et peut-être qui a été faite, c'est de s'identifier à la fonction. Alors, quand vous vous identifiez à la fonction, tôt ou tard, vous allez quitter la fonction. Oui. Mais vous n'avez pas le temps de préparer la succession. C'est le cas où. Alors, ce qui se passe en ce moment, le 24 février dernier, je l'ai un peu soulevé. Mais alors, ils sortent de toutes parts et de nulle part. Mmh. Les dauphins. Oui. À coups de milliards par-ci, à coups de médiatique par-là. Oui. J'ai jamais encore vu un projet de société. Oui. On assiste plus à des intrigues de cour. À des constructions autour oui. d'un projet, d'une alternative. Oui. Ce que je peux apprécier vis-à-vis du président, c'est son silence. Oui. Mais à un moment donné, il nous a donné un holà. Parce que vraiment, je vais en parler, c'est concernant Franck Biya. Oui. Je ne l'interpelle pas en tant qu'individu. Oui. Mais c'est un message qui va pour tout le monde. Il ne faut pas que M. Franck Biya pense qu'il peut hériter d'un lourd passé historique de son père sans coup férir. Parce que c'est un héritage extrêmement lourd. Et ceci, en dehors de tout sens moral, oui. de deux, j'aimerais lui dire, il me connaît très bien, qu'il ne se méprenne pas de cet entourage qui, à mon avis,
veut se servir de lui. Et tôt ou tard, il prendra conscience qu'on veut faire de lui un pantin. Parce que même vis-à-vis de cet entourage, il ne peut pas les affronter. Alors, ce que j'aimerais lui dire, c'est de se retirer de cette nasse avant qu'il ne soit trop tard. Alors, vous parlez de Franck Biya. Effectivement, dans la perspective de l'après Biya, le nom de son fils Franck Emmanuel Biya est de plus en plus cité. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble crédible? Toute et aucune... possible. Voilà. Vous avez rectifié. Toute hypothèse est crédible. Oui. Juste à ce qu'elle n'ait pas lu. Mais quand on voit le jeune Franck, sans avoir annoncé sa candidature, on le voit au nord, rencontrer les autorités traditionnelles, et lui, gardé par la garde présidentielle. Ça fait tiquer. Vêtu de la tenue du RDPC, c'était un cas un peu oui, même rare. Enlever ça, le plus important, le RDPC n'est pas étatique, c'est un parti. Très bien. La République, la garde présidentielle, c'est un organe noble et sacré pour protéger le président de la République. Alors. Et sa famille? Oui, bien sûr, le président de la République et sa famille, c'est normal. Mais dans un cadre institutionnel. Quand vous voyez ce qui s'est passé, moi je qualifie ça de dérive infantile. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, il n'est pas exclu que Franck Biya se présente comme candidat de la République. Déjà, il est un Camerounais. Oui, on ne va pas le lui enlever. Non, mais il faut faire attention. Ce n'est pas suffisant d'être Camerounais pour être candidat. Il faut quoi d'autre? C'est tout un poème. C'est tellement compliqué qu'il nous faudrait une autre série d'échanges. Oui. Mais je crois qu'il y a des critères élémentaires. Il faut être préparé. Pas seulement sur le plan culturel. Oui. Le livre, j'ai dit aux jeunes, pour être un homme politique, cultivez-le d'abord. Il faut avoir une expérience de la chose publique. Il faut avoir connu des épreuves dans le milieu politique. Oui. Il faut avoir, qui sait jamais, une prédisposition qui ne vient pas du ciel, de soi-même. Alors tout ceci ne peut pas être improvisé en 1, 2, 3 ans. Il faut avoir une préparation. Mais il y a encore d'autres choses qu'on ne peut pas, dans ce contexte, évoquer. Alors, le concerné lui-même, Franck Biya, n'a jamais rien laissé paraître de ses intentions. Il n'a jamais rien dit de toutes les façons. Il y a quand même un certain nombre de signaux qui laissent interrogateur. Vous avez parlé de sa récente tournée dans la région septentrionale du pays où s'est offert un certain nombre de bains de foule. Il y a une nébuleuse qui est née il y a quelque temps qui s'appelait le mouvement des franquistes et qui disait clairement, présentait clairement Franck Biya comme leur candidat pour l'alternance au Cameroun.
Et dernière image en date, je ne sais pas si vous l'avez observé, c'est juillet 2022, lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun, on a vu une image qui a été interprétée. À défaut de la parole des uns et des autres, on est obligé d'interpréter les gestes, les signes, les photos, les images, ainsi de suite, de Emmanuel Macron qui se faisait présenter Franck Biya. Alors, tous ces éléments mis ensemble, est-ce que c'est suffisant pour penser que l'hypothèse Franck Biya est quelque chose qui se prépare, qui est en route? Alors, mon cher Bruno, n'oubliez pas que vous, les journalistes, oui, vous êtes un pouvoir. Un pouvoir pour créer. Mais en l'occurrence, et c'est cette création est idoine à ce qui taraude aujourd'hui les Camerounais. Parce que dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la vie publique et intime, je pense que il y a des priorités. Il y a l'essentiel. Il y a l'annexe. Vraiment, vous pensez qu'en ce moment, le Camerounais devrait se préoccuper de ce qu'on a présenté par une image, Franck comme le prochain candidat au président de la République? Je pense que vous aussi, inconsciemment, oui, arrêtez ces comédies-là. C'est beaucoup trop sérieux pour que des solutions de problèmes aussi énormes et préoccupants du Cameroun se résolvent par des on-dit, par des images. Oui. Moi, j'ai passé un message par vous. Franck est libre de suivre ou pas. Il assume. Mais moi, je dois le dire par rapport à ce que je vois et en tant que patriote. Donc, je le dis sans acrimonie, peut-être avec froideur, mais je pense qu'en citoyen, il y a des choses que des gens comme nous, nous devons dire et faire savoir à tout le monde. Alors, la question est grave. Vous le dites, et c'est pour ça que je vais insister, pardonnez-moi. On doit quand même, Titus Edouard, à la vérité de reconnaître que le président Paul Biya, à la différence d'autres dirigeants africains, a pris le soin d'éloigner sa famille proche des affaires de l'État. Vous me corrigerez si je me trompe. Franck Biya n'a jamais occupé aucune fonction officielle au Cameroun. Alors, pensez-vous son père capable de franchir le Rubicon en essayant d'imposer son fils après lui? C'est là où, quand je parle du silence du président, oui, l'observation que vous faites concernant la tenue à l'écart, oui, de la famille, mais ceci est appréciable et apprécié. Absolument. C'est pour cela que l'inquiétude qui peut revenir, étant donné que le personnage donne des signes d'essoufflement, il faut que nous, les Camerounais, on soit vigilants. Parce que si on voit partout ailleurs, enfin, ce qui s'est passé, oui, où les enfants ont succédé à leur père, oui, mais prévia une formation et tout ça. Absolument. Au Gabon, Ali a été, au moment du décès de son père, était ministre de la Défense. Il a été ministre des Affaires étrangères. Absolument. Au Togo, Faure et Adema étaient déjà dans les arcanes du pouvoir. Oui. Au Tchad, le fils Déby était chef d'état-major des armées. Voilà, donc, oui. Alors, c'est là où on peut retenir certaines expressions du président. Oui. Le Cameroun, c'est le Cameroun.
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut être interprété. Donc, il appartient aux Camerounais d'être vigilants. Que ce qui doit se faire soit ce qui doit se faire doit être conforme pour le bien-être collectif. Parce que une des interprétations qui vient le plus souvent dans ce projet concernant Franck, c'est que après 40 ans du père, les Camerounais sont-ils prêts à accepter un atavisme biologique par son fils? Si aujourd'hui on conteste l'IA, vous comprenez que par analogie, le Camerounais ne peut pas accepter d'emblée Franck. Donc, ce n'est pas une affaire ni personnelle ni de famille. Ce n'est pas un délit de patronyme? Non, ça ne doit pas être. C'est plus important que cela, parce que ça concerne toute une nation. C'est pour cela que je vais même un peu plus loin. Oui. Au Cameroun, comme il est en ce moment, on ne devrait même pas évoquer ce genre de problème. Ça nous fait perdre des énergies. Oui. Je ne minimise pas. Mais j'ai dit, comme priorité, on doit être au-delà de ces problèmes, je dirais, très primaires. Ouais. Peut-être que la trajectoire personnelle du président Paul Biya devrait l'inspirer. Lorsque Ahidjo, le président Amadou Ahidjo, jette son dévolu sur le président Paul Biya, il a le choix. Mais il y a toujours un choix. Oui. Monsieur, il y a toujours un choix. Oui. Mais le président Biya ne vient pas de rien. Non. S'il vous plaît. C'était inférieur de la politique et donc comme homme d'État. Et il avait une trajectoire. Oui. Il avait une trajectoire. Donc on ne peut pas faire... Et puis même, à supposer même que ce ne fut pas ça. Vous croyez que l'histoire doit se répéter? Les circonstances changent. Les individus changent. Il appartient à ceux qui sont concernés, de s'impliquer. Et je voudrais vous dire une petite phrase qu'on peut retenir. D'aucuns pensent que la politique, c'est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. C'est Paul Valéry qui a dit ça. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça au Cameroun? On va empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde? Je ne pense pas. Peut-être qu'on essaie de le faire, mais avec la jeunesse, ça ne peut plus se faire. Ouais. Alors, je vais encore insister sur une image que vous avez balayée tout à l'heure, mais je reviens quand même là-dessus. C'est la rencontre Franck-Emmanuel Macron lors de sa dernière visite juillet 2022 ici au Cameroun. Alors, c'est une image qui a suscité beaucoup de commentaires, surtout que le passé de la France en Afrique centrale, Emmanuel Macron venait quand même d'assister au sacre du fils de Idriss Déby au Tchad, et il était le seul président non africain à avoir assisté à cette transition ou alors transmission quasi dynastique du pouvoir au Tchad, et beaucoup craignent la même chose au Cameroun, soutenu par la France. Là encore, cela ne vous inquiète pas. Alors, je me rappelle dans mon parcours dans l'État, les propos d'un ancien premier ministre français qui disait, concernant l'Afrique francophone, ni indifférence, ni ingérence. Alors, à mon petit niveau, à ce temps-là, je n'avais jamais entendu un oxymore politique aussi dramatique. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses.
les Camerounais n'ont rien contre la France. Les Camerounais, surtout les jeunes, contestent la politique de la France. En Afrique. En Afrique. Ça, c'est une grande différence. Donc, tout pays a des amis. Et l'histoire nous attache à la France. Oui. Mais il faut regarder entre la France et le Cameroun, il faut regarder ce lien avec des yeux nouveaux. C'est-à-dire dans un partenariat respectueux. Oui. Où la France, si elle veut aider oui. le Cameroun, doit l'aider à assumer son propre destin. C'est ça seulement qui est pérenne. Et c'est ça qui fait que la jeunesse, dans leur subconscient, commence à manifester cet anti-français. Oui. Et les jeunes ne sont pas diplomates. Non. Ils affichent. Donc, pour nous, les hommes d'État, les hommes politiques, tout ce qu'on peut dire, c'est que la France n'est pas l'ennemi du Cameroun. Si elle perd sa réputation, c'est par rapport à la politique que ces hommes politiques appliquent. Et on ne peut pas appliquer cette formule, ni ingérence, ni... ni ingérence, ni indifférence. Ni indifférence, oui. Ça doit aller au-delà. C'est quoi s'ingérer? Si entre vous et votre ami, les choses se passent bien, il y a des choses qui peuvent vous confier, vice-versa. Oui. Donc, mais il faut plutôt dans une nouvelle. Oui. Alors, Emmanuel Macron parle justement de redessiner les contours des relations entre la France et l'Afrique. Donc, vous militez pour ce nouveau paradigme des relations entre l'Afrique et la France. Non seulement je milite. Oui. Mais il est incontournable pour l'avenir. Incontournable. Sinon, la France va perdre, disons, sa réputation. Oui. Et tout ce qu'elle a comme valeur, comme idéal. La France est un pays des droits de l'homme. Oui. Mais il faut protéger cela. Nous, on n'a pas à donner des leçons à la France. Mais seulement en tant qu'Africains, Camerounais, les consciences s'éveillent. Parce que nous avons non seulement le droit, mais le devoir de donner à nos populations un minimum de bien-être pour vivre dans la dignité, dans l'humanité. Oui. Dernière question pour sortir du cas Franck. Alors, c'est peu dire que vous avez été un très proche collaborateur du président de la République. Vous avez même été, je dirais, un visiteur du soir du président de la République. Et j'imagine que vous avez, dans les allées du parcours de la présidence de la République, rencontré Franck Béa au moins une fois. Alors, on sait très peu de choses de lui. Quelqu'un disait l'autre jour, fort à propos, que les Camerounais ne connaissent pas jusqu'au timbre de sa voix. Alors, quel type de personnage est-il pour ce dont vous vous souvenez? Alors, je vais vous décevoir. Oui. Il ne faut pas confondre le privé avec le public. Oui. Là où je suis avec vous,
Nous sommes dans un contexte public. Tout à fait. Et j'ai le devoir de protéger le privé. Oui. Ce sera votre dernier mot là-dessus. Oui. Très bien. Alors, revenons à cette question de l'alternance qui profite, suscite énormément de débats au Cameroun aujourd'hui. La cohésion gouvernementale semble même aujourd'hui menacée par cette bataille de cour que l'on observe. Il y a des camps qui se forment. Jusque-là, la bataille était à fleuret moucheté. Mais de plus en plus, la guerre est déclarée. D'aucuns, peut-être avec exagération, parlent même déjà de la nuit des longs couteaux. Est-ce que pour vous, ce qu'on observe aujourd'hui est révélateur de ce que pourrait être l'après-Mia? Non, pas du tout. Oui. C'est révélateur de ce qui se passe maintenant. Quand il y a un vide de pouvoir, le pouvoir n'aime pas le vide. Mais ce qui est ahurissant, vous me parlez de gouvernement. Où est ce gouvernement? Je ne veux pas parler nommément du Premier ministre, mais des membres du gouvernement, n'est-ce pas, s'entrechoquent. Ouais. Le Premier ministre est là. Vous voulez que ce soit le président qui vienne arranger la... le Premier ministre. Alors, j'ai dit, c'est pas facile d'être membre du gouvernement. Mais encore moins facile d'être Premier ministre. Mais quelle que soit la fonction, elle s'assume. Alors justement, quel est le problème avec la fonction de Premier ministre au Cameroun? C'est... les blocages sont au niveau institutionnel ou alors c'est le titulaire de la fonction qui lui donne de la contenance? Ah, c'est les deux. Oui. C'est les deux. Vous devez marquer votre passage en tant que journaliste, en tant que médecin, en tant que spécialiste. Oui. Je ne suis pas à juger, c'est un constat. Oui, oui, absolument. Donc, c'est vraiment... C'est des problèmes qui ne devraient pas exister. Vous me voyez, moi, Premier ministre, je donne des instructions à un ministre, il ne respecte pas. Mais avant de consulter le président, j'ai un arsenal pour le remettre en ordre. D'abord, même le convoquer oui. pour qu'il exécute en tant que chef du gouvernement. Donc, j'étais secrétaire général à la présidence. Oui. J'avais mes prérogatives. Mais, quand je les exécutais, je demandais pas au président. C'est pour cela que vous avez entendu qu'il se prend pour le deuxième président. Oui, on vous a décrit comme quelqu'un de brutal. Donc, il y a des problèmes qu'il faut résoudre sans attendre le lendemain. Parce que si vous attendez, ça pourrit. Je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, oui. mais je vous parle de l'expérience que j'ai eue. Donc, si entre deux ministres, il y a un problème, il faut même aider le président en résolvant ce problème d'une façon autoritaire. Voyez-vous? Oui. Sinon, c'est la débandade. Moi, j'entends des gens dire que ah, ne me parlez pas, j'ai été nommé par décret présidentiel comme vous. Oh. Ben oui. Voyez-vous, non seulement c'est de l'ignorance, c'est pas un décret présidentiel. Ne donne pas la même identité à tous les fonctionnaires. Donc, vous entendez ça, un Camerounais vous dit ça? Des Camerounais qui disent qu'ils ne vont pas à la retraite parce qu'ils ont été nommés par décret présidentiel. Et que c'est un décret présidentiel qui doit le... Alors, c'est là où je dis, il faut assumer. Il faut assumer. Vous m'interviewez aujourd'hui. Oui. Mais vous avez assumé de m'interviewer. Absolument. Ce n'est pas tout le monde qui prend, je ne dis pas risque, mais... mais il faut assumer. Oui. J'assume de répondre à vos questions, mais tout cela dans le respect des autres. Tout à fait. Je suis libre de dire ce que je pense, comme vous êtes libre de...
pensez ce que vous dites. Donc, pour moi, c'est un faux problème. Oui. Chaque autorité, chaque responsable doit prendre ses responsabilités qui sont prévues par les règlements et par la loi. C'est ça une république. Oui. Alternance, transition. Pour vous, c'est un simple problème de sémantique ou alors vous faites une différence? Oh, absolument pas. Oui. C'est pour cela que je vous ai dit. L'alternance, c'est partout que ça doit se faire. Dès que ça commence, il faut prévoir un remplacement. Mais ce remplacement est toujours particulier par rapport aux circonstances. Alors, ce que je vais vous dire, c'est des convictions personnelles. Vous n'êtes pas obligé d'y croire ou d'y adhérer. Je vous en prie. Au Cameroun aujourd'hui, aucune élection, quelle qu'elle soit, ne peut se faire dans la transparence, dans la paix et dans le respect des lois. Aucune. À partir de là, pour que le Cameroun redémarre, je vais reprendre peut-être ce que d'autres ont dit, mais aujourd'hui, le temps presse. Il faut un temps de, comment dirais-je, un temps de transition. Je ne sais pas comment elle doit advenir, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais le Cameroun doit passer par une période de transition pour remettre les choses en place. Oui. Sinon, c'est une continuité de tout ce dont on se plaint. Alors j'imagine que cette période transitoire pour mettre les choses en place, comme vous le dites, c'est des réformes. Exactement. Alors, oui. Pas n'importe quelle réforme, mais pas n'importe comment. Il y a des priorités. Oui. Quelles sont les priorités? On revoit la Constitution, par exemple. Oui. Pas la refaire. Non. Il y a des points. Si vous vous rappelez bien, les mandats du président de la République étaient limités. Oui. Tant qu'il n'y aura pas cette limitation de mandat, ne pensez jamais qu'il y aura démocratie au Cameroun. Parce qu'il n'y a rien d'indéfini. On a parlé du temps tout à l'heure. Absolument. C'est dans un temps déterminé qu'on détermine un programme qui provient d'un projet de société. Il n'y a pas un autre choix. Donc, première chose, il faut limiter. Limitation des mandats présidentiels. Oui. Oui. Redonner au Conseil constitutionnel sa vraie valeur. Le Conseil constitutionnel n'est pas là seulement pour venir lire les résultats des élections. Leur redonner leur aura. Le pouvoir judiciaire doit reprendre son destin en main. Et pendant cette période de transition, il faut qu'on définisse comment cela peut et doit se faire. Il ne doit pas être magistrat qui veut. Oui. Et je ne vous cache pas, si j'avais été aussi, j'étais président de la République, la première chose à changer, c'est les noms. Pourquoi? Mais ça a été le fléau. Ils ont été, n'est-ce pas, le ventre mou. S'il y a dans l'administration, il y a corruption. C'est parce que l'administrateur civil n'a pas intégré ses valeurs sociétales. S'il y a la justice, vous voyez tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a la corruption à la justice, verticalement et horizontalement. Pourquoi? Ils n'ont pas intégré les valeurs fondamentales. Ils viennent d'où? De l'ENAM. Parce que c'est là qu'il faut reformer. Parce que c'est un peu difficile de convertir, encore que. Oui. Bon. Maintenant,
notre priorité, toujours par rapport à la Constitution. Absolument. Les élections, si elles sont bien faites, vous aurez des députés valables, des sénateurs conscients de la chose publique. Qu'est-ce qui se passe? Les députés, entre guillemets, sont nommés. Nommés? J'ai dit bien nommés. Oh, je croyais qu'ils étaient élus. Non. Ce qui se passe en dessous, faites-moi confiance, sont nommés. Donc, la qualité des élections est sujette à caution. Oui. Oui. Les sénateurs, bien sûr, le président peut nommer le tiers. Oui. Mais il faut que le président du Sénat ait été élu. Qu'il ne soit pas un sénateur parmi ceux nommés par le président de la République. Vous avez tout dit. Pourquoi? Mais le Sénat doit être indépendant. Oui. Si vous êtes, il ne doit rien devoir. Si vous êtes nommé, vous êtes dépendant. De celui qui vous a nommé. Oui. Oui. Vous comprenez bien. Cinquième chose. La décentralisation dont on a parlé tout à l'heure. Je vous en ai parlé en long et en large. Absolument. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'unité sans diversité. Donc, le Cameroun est un pays privilégié. Non seulement on a plus de 200 ethnies, comme on dit, mais on a hérité de l'Occident. La tradition allemande, la tradition française, la tradition anglaise. Mais vous croyez que on ne peut pas transformer ça en richesse? Au lieu de tirer la couverture pour faire de cela l'objet de notre désunion. Oui. Donc, si on applique la décentralisation, je sais très bien ceux qui sont pour le fédéralisme. Oui, ça nous prendrait beaucoup de temps. Oui, je m'apprêtais à dire que votre religion, elle est faite. Vous êtes pour la décentralisation. Moi, je suis pour la décentralisation parce que on ne l'a même pas initié à 1%. Alors que le fédéralisme, dans l'histoire du Cameroun, on l'a utilisé pendant 11 ans. Oui. Il y a d'autres raisons. Donc, dans ces changements, il faut qu'on s'assure que ceux qui sont appelés à les appliquer vont les appliquer. C'est comme ça que je vois la transition, monsieur. Or, maintenant, vous rêvez, président de la République, président de machin, président du Sénat, de grâce. Oui. Donc, le débat sur la présidentielle de 2025, d'aucuns parlent même d'une anticipation qui pourrait avoir lieu en 2023 ou 2024. Pour vous, ce n'est pas la priorité. On amuse la galerie. Oui. Je répète. C'est des balivernes. Le Cameroun est un pays qui recèle une richesse extraordinaire, non seulement en bien, mais ma foi, en intelligence. Il faut que pour une fois, ces intelligences dominent. Pour leur en donner l'occasion en disant les choses comme nous voyons. Alors, quelle est la place de la jeunesse dans l'avenir du Cameroun, dans le Cameroun nouveau que vous appelez de vos voeux? Et je souhaiterais, sur ce point précis, professeur Titus Edzoua, que vous adressiez un message à la jeunesse camerounaise. Alors, je vais vous surprendre. Oui. Et peut-être vous décevoir. Je n'ai aucun message à donner à la jeunesse. Je l'ai fait dans le passé, j'ai vu que ça ne sert absolument à rien du tout. Si je devais passer un message, et je le fais aujourd'hui avec plaisir, c'est un message aux adultes que nous sommes.
Regardez cette jeunesse. Elle est aujourd'hui tétanisée. Vous les voyez zapper. Oui. Parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Vous les voyez hagards. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est-à-dire, ils n'ont aucun repère. Ils voient leur avenir. Pas de perspective. Pas de perspective. À noir. Pas d'emploi. Ils ne peuvent pas créer une famille. Et ils sont là, ils sont allés à l'école. Il n'y a pas de boulot. Alors, le message que moi j'adresse, c'est aux adultes. Si nous, les adultes, nous faisons ce que nous devons faire pour l'émancipation de notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous n'avons rien à enseigner aux jeunes. Et soyons humbles, qui sommes-nous pour constituer l'avenir des jeunes? Faisons ce que nous, on doit faire, faisons confiance à notre jeunesse qui va hériter de ce qui peut avoir été positif et corriger ce qui peut avoir été négatif. Ne sous-estimons pas la jeunesse. Elle n'a pas besoin de leçons. Est-ce que vous la sentez consciente des enjeux? La conscience vient dans la souffrance. Et notre jeunesse souffre. Et j'ai la certitude qu'elle va prendre conscience. Sortons de cette émission en parlant du sport. Vous avez certainement regardé la Coupe du Monde au Qatar. Alors, qu'avez-vous pensé de cette Coupe du Monde et de la prestation des Lions Indomptables? Oh, déjà, une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, quand on s'est réseau à parler de notre pays recèle, je dirais, des champions. Mais tout est dans la gestion de ces champions. Mais on a tellement créé une chape sur les Camerounais, oui, qu'ils ont même honte d'exceller. C'est-à-dire, le Cameroun, après sa victoire contre le Brésil, vous avez des Camerounais qui dansent et qui vous disent qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Vous voyez où on est réduit. C'est-à-dire, on doit se contenter de s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous nous demandez? On a déjà gagné contre le Brésil et vous voulez qu'on sorte, mais c'est rien, ça, non, c'est rien. Mais c'est cette ambition qu'il faut ressouffler dans les âmes des jeunes. Ils ont les potentialités. Et je vous assure, moi-même qui vous parle, si je n'avais pas eu cette potentialité, je n'aurais jamais fait les arts martiaux. Oui. Vous comprenez? Donc, j'ai vu votre équipe. J'ai soufflé que dans votre équipe, personne ne fait le sport. Je ne les accuse pas. Mais je les exhorte parce qu'ils ont des physiques extraordinaires. Donc, la Coupe du Monde est encore... Vous parlez de l'équipe de Naya TV. Oui. Alors, je vous dis, pour sortir à... N'est-ce pas? On n'est pas moins sérieux, oui, en souriant. Il dit, même le sport. Je ne suis pas venu aujourd'hui passer le message d'un projet de société. Mais je vous assure, dans un projet de société, la première chose qu'il faut privilégier, c'est la culture. Et le sport fait partie de la culture. Les autres, c'est des instruments. L'économie, la politique, le pouvoir social, etc. Mais si un peuple n'a pas cultivé, du moins dans son élite, qu'on a essayé d'éteindre, on n'a pas d'espoir pour l'avenir. Professeur Titus Edouard, merci. Avant votre mot de conclusion, permettez que je présente quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission. Et évidemment, je vous ai abondamment lu.
cet ouvrage, Titus et Zoa, Cameroun, combat pour mon pays, un magnifique ouvrage paru aux éditions du Boiris en France. Il y a, avant cet ouvrage, il y a eu un premier que vous avez écrit pendant que vous étiez encore en prison, et le titre, il est d'ailleurs fort évocateur, Méditation de prison, préfacé par Odile Topner, la veuve de Mongo Betty, donc Méditation de prison, paru la partie camerounaise est parue aux éditions du Chabel, et la première édition est parue chez Cartala, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, ces autres ouvrages, il y a de l'esprit de cour, Dominique de Villepin, qui fut premier ministre en France, et il parle de la malédiction française, cet esprit de cour, et on dirait qu'il parle aussi, dans une certaine mesure, du Cameroun, où l'esprit de cour a pris le pas sur la République. C'est bien dommage, donc c'est un magnifique ouvrage avec une plume très très alerte de Dominique de Villepin. On parlait tout à l'heure de la nuit des longs couteaux. Beaucoup en parlent au Cameroun. Personnellement, je pense que c'est avec un peu d'exagération. Il y a donc cet ouvrage, Max Gallo, grand intellectuel français, historien et écrivain, qui a écrit La nuit des longs couteaux, dans lequel il raconte avec un luxe de détails les événements, la purge qui a été opéré dans le régime nazi dans la nuit du 29 au 30 juin 1934. Voilà, où il était question pour Hitler, conseillé par un certain nombre de proches comme Goebbels, Göring, ainsi de suite, de opérer une purge au sein du propre parti de Hitler. Alors, ces autres ouvrages, Urbain Olangena Awono, on parlait du nouveau Cameroun, eh bien, nous y sommes. Urgence d'un nouveau pacte républicain et social. Urbain Olangena, ancien ministre de la Santé publique, aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Kondengi, qui donne quelques solutions, quelques pistes pour redorer ou alors pour un nouveau Cameroun. On a abondamment parlé de la justice qui, pour vous, elle doit être au cœur de la renaissance camerounaise. Et il y a cet ouvrage de Mathieu Tanque, il est magistrat, Les fondements divins du serment, le cas du magistrat. Et l'auteur qui est magistrat pense que le travail d'un magistrat, c'est quelque chose d'important. Et donc, un magistrat doit asseoir son pouvoir de juger et de rendre la justice sur un certain nombre de valeurs. Vous en parliez tout à l'heure, des valeurs, selon lui, qui doivent être chrétienne, parce qu'on prête le serment et on n'a pas à se parjurer par la corruption, par un certain nombre de travers que l'on peut observer dans la magistrature ou alors dans la justice camerounaise. Et ce dernier ouvrage d'un jeune magistrat, Ulrich Xavier Ovono Ondoa, Sous le bandeau de Thémis, les larmes, penser et repenser la justice camerounaise, magnifique livre, très très courageux pour un magistrat en fonction, c'est un jeune, et qui analyse un peu les mots de la justice camerounaise et ne lésine pas sur les mots, il parle de corruption et puis d'un certain nombre de travers que l'on peut observer dans la justice camerounaise. Je vais vous remercier pour votre disponibilité. En un mot, nous sommes en début d'année. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2023. Je vous laisse la possibilité d'adresser vos voeux aux Camerounais, si vous le souhaitez. Professeur Titus et Zoa, pour votre dernier mot. Oh, je pense que par rapport à ce que nous avons dit, par rapport à l'analyse que nous avons faite, mes voeux ne peuvent être que des voeux de prise de conscience collective, afin que l'individu qu'est aujourd'hui le Cameroun, le Camerounais, devienne un citoyen. C'est-à-dire, il faut une catharsis, une transformation intérieure pour que la chose publique, oui, domine le privé. Et que la chose publique soit celle qu'on peut se partager avec équité après avoir produit chacun ce qu'il y a de meilleur. Et je terminerai en disant que quelqu'un, un homme politique l'avait déjà dit, avant de demander à l'État de vous donner, demandez-vous ce que vous pouvez donner à l'État. Voilà. Titus et Zoa, merci. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.